Nauguyatas que sem trubadas, nauguyatas que sem trubadas, nauguyatas que sem trubadas, nauguyatas que sem trubadas. Tutus nau do mar del amor, ludrumi de la noit mainado. Tutus nau do mar del amor, ludrumi de la noit que. Radio Bulle vous présente L'Heure Occitane, une émission en partenariat avec Culture Asdoc en Lot-et-Garonne. Radio Bulle et Culture Asdoc vous présentent L'Heure Occitane, émission culturelle occitane en agenès. C'était une journée organisée par Culture Asdoc. C'était le 19 octobre 2019, au passage d'Agen, au centre culturel, dans la salle Jean Ferrat. Il y avait stage au pluriel, stage de mazurka l'après-midi, animé par Dany Madieloba. Il y avait aussi stage de bouée, animé par Adrien Villeneuve. Et puis le soir, il y avait bal, animé par la Bézina. Alors bien sûr, j'ai tendu le micro, vous entendrez tour à tour de la musique et des paroles, de la musique signée Mélanie Brelot, signée Clément Rousse, signée aussi bien sûr Adrien Villeneuve, et puis un peu de Broto Lopez et de la Forcelle, qui n'y était pas ce jour-là. Et puis vous allez entendre des paroles de danseurs comme Aline, Cécile, Anne, Hervé, Michel et Jean-François, François. Écoutez. Sur 1, 3, 4, 5, 6. Encore. Mazurka, mazurka. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mazurka, etc. On va voir si ça marche sur un air de mazurka. En enchaîné, d'accord? Latéralement. C'est parti. 1, 2, 3, 4. Non, on n'est pas parti avec toi comme il faut. On n'est pas bien parti. C'est parti. Mazurka, mazurka. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mazurka. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mazurka, mazurka. 1, 2, 3, 4. Voilà, nous nous sommes écartés un tout petit peu de la foule des danseurs. D'abord, il y en a beaucoup. Alors, devant moi, il y a Michel à ma gauche et Jean-François à ma droite. Ce sont des danseurs. Alors, d'abord, d'où vous êtes, Michel ? Bien, moi, je viens de l'Ariège, entre Foix et Pamiers. Et comment vous avez su qu'il y avait un stage ici de mazurka ? En fait, c'est Dany qui a demandé à Jean-François de venir participer à l'atelier pour faire, entre guillemets, une démonstration de mazurka. Vous êtes la référence mazurka. Il paraît.
Jean-François, comment vous êtes devenu la référence mazurka ici dans la région? Dans la région, ben, c'est surtout parce qu'on nous voit dans les beaucoup de festivals, dans les bals de toute la région, du Gers, de l'Ariège, du pays Agenais aussi. On se promène dans beaucoup de festivals. Et c'est vrai qu'on connaît Dany, on connaît plein de musiciens. Moi-même, je fais partie de l'organisation d'un festival, donc à Tradanvie, exactement à Pavie, dans le Gers. D'accord, et... vous connaissez Dany, vous connaissez plein de festivals, mais j'ai l'impression que vous connaissez aussi la mazurka. Et la mazurka. Est-ce que vous pouvez me parler un peu mazurka? Alors, c'est quoi? La mazurka, c'est la danse la plus sensuelle qu'on puisse faire dans la musique traditionnelle. C'est un peu comme le slow autrefois. Expliquez-moi le sensuel quand même dans cette danse. Voilà, c'est une danse de couple, et suivant les musiques modernes ou anciennes, voilà, au départ c'était une musique très très enjouée, très très sautillante, et maintenant dans le néo-trad, ce qu'on appelle le néo-trad, c'est la jeunesse qui a repris un peu les musiques traditionnelles et qui a adapté un peu les danses sur ces musiques-là. Et là, ils ont ralenti un peu les rythmes, et c'est plus sensuel, donc c'est un peu comme le slow d'autrefois. On va poser la question à Michel, si elle est d'accord. Commentaire de ce que vient de dire Jean-François. Michel. Oui, je suis complètement d'accord. D'ailleurs, on s'est rencontrés sur une mazurka, donc je peux dire que c'est un peu, oui, sensuel. C'est la preuve évidente. C'est la preuve évidente, oui. Alors, comment ça se passe, la vie du couple mazurka? Le dialogue, les indications chorégraphiques, comment ça se passe, ça? C'est comme toujours, c'est l'homme qui décide plus ou moins des pas qu'on va, parce qu'il y a quand même plusieurs variantes dans la mazurka, et c'est l'homme qui mène, donc la femme est censée sentir où il va l'amener, quoi. Michel, vous êtes la femme. Comment il vous fait sentir, comment il vous parle, comment il vous communique? Non, on ne parle pas dans la danse, c'est juste une sensation par les mains, par se toucher le visage aussi. Voilà, comme disait Jean-François, c'est le slow du trad, quoi, c'est la mazurka. Et c'est là qu'on fait connaissance, justement. Et puis, bien sûr, il y a une espèce de chorégraphie tout au long, c'est un même geste qui se répète, ou c'est une... Comment ça se passe? Oui, ça peut être le même geste, mais justement, l'homme qui arrive à donner, comment dire, je sais pas, sa façon de danser à la femme, on peut faire plusieurs chorégraphies, il y a plusieurs pas finalement. Dany le fait voir d'ailleurs, c'est un peu plus académique ici, mais il y a quand même pas mal de pas, oui. Et Michel Le avec un E, la femme? Elle a parfois envie de se rebeller, elle a envie de dire « je ne te suis plus, là ». Suivre, c'est le verbe suivre, c'est pas... Oui, c'est vrai, ouais, ça arrive. Peut-être pas trop dans la mazurka. Dans la mazurka, je me laisse aller. Franchement, je me laisse aller. Que dans d'autres danses, oui, quelquefois j'ai envie de mettre un peu mon grain de sel et presque j'aimerais mener, quoi. Mais dans la mazurka, non, je demande pas à mener. C'est trop agréable de se laisser mener. Jean-François, commentaire de ce qu'elle vient de dire, Michel? Je suis tout à fait d'accord, oui. Maintenant, c'est vrai que ça lui arrive de me donner quelques indications aussi. Si elle en a un peu marre de faire toujours la même chose, elle me dit, on pourrait faire autre chose. Puis, voilà. Et donc, il faut que Jean-François, parfois, soit imaginatif. Voilà. Il faut qu'il trouve d'autres chemins pour atteindre le bonheur de la danse. Pour aller jusqu'au plaisir, il faut parfois prendre des sentiers différents. Voilà, c'est un peu toute la magie de la danse. On se laisse aller et puis on suit la musique. Quelquefois, c'est la musique qui nous guide aussi. Plus ou moins jazzy, quelquefois, il y a des nouvelles danses. Il y a les musiques traditionnelles qui sont très, très, très rigoureuses, très simples. Et maintenant, les musiciens inventent de nouvelles mélodies et nous les font vivre sur la piste de danse. Donc. Ah oui, donc il y a une communication entre Jean-François et Michel, mais il y a aussi une communication entre Jean-François
et le musicien. Aussi, oui, bien sûr. C'est sûr. On essaie de, voilà, c'est, quand on arrive à une certaine harmonie dans la danse, à bien se connaître, voilà, on n'est plus sur les pas de base, on est aussi sur la mélodie et ça peut nous amener à des variations, à des ondulations un peu différentes, quoi. Et la musique, elle rentre comme ça, on l'écoute, elle rentre par l'oreille et puis elle pénètre tout le corps. Ça. Et vous vous transformez en gestes et mouvements. Voilà, on fait corps avec la musique, si on peut dire. Est-ce qu'il y a d'autres musiques, est-ce qu'il y a d'autres danses occitanes qui vous intéressent ? Oui, oui, après il y a beaucoup de danses, il y a des danses, après la musique traditionnelle, il y a les danses collectives qui sont une autre façon de danser aussi. Mais moi j'aime bien les danses de couple justement parce qu'il y a ce contact avec la partenaire. Michel, il faut se quitter déjà, l'entretien est terminé, on va écouter de la musique. Comment vous êtes devenue danseuse occitane ? Par une rencontre avec une amie. Je faisais beaucoup de montagne, on faisait de la montagne ensemble. Et elle connaissait les danses traditionnelles. Elle a voulu m'amener dans un bal folk, comme elle disait. Et j'ai accroché tout de suite, quoi. C'est quelque chose qui me plaît énormément. J'adore danser, donc c'est très très vivant, c'est convivial. C'est un vrai plaisir. Merci Michel, merci Jean-François. Et bonne danse d'après-midi. Puis bon bal ce soir, je crois. Merci. C'est encore un autre exercice. Oui, c'est très physique aussi. Quelquefois, il faut plusieurs chemises. Hein. Et le cardio aussi, c'est bon pour le cœur. Voilà, pour le cœur à tous les niveaux. Merci Jean-François, merci Michel. Au revoir. Radio Bulle, l'heure occitane. Aéroplan fier et balai, à courir des pechinkou. E mancavo un pantalè per carreggiare un sì mondo. Ero vieglio plassume, l'esperava venderunga. Ma la pioggia di mai rubè, l'aurion tira del sarungo. L'ufficio trio nella montagna, si è scappato d'usso mense. Che ero planungagno, l'ufficio trio di un'altra testa. Per fatica tre sbagus. Caglio l'aus di estifla, gli esquipi come un dragon, arriva la come fat, e canubia cerro lui, s'arrestavo per bifà, a farena de sul lupù, de coluca di obitaru, piccio trio nella montagna, se scappavo dussamente, gli caro palungano, piccio trio in altri tempi. Giù, l'uccionale della bella, l'us racontes dell'entù, un pacchetto di un'officella, è struppata a vedo su, e un punto della bella, che riresino canzur, un piccio trio della montagna, si è scappato di un sommense, chi che ero prolungato, un piccio trio di un'altra. Ero pla fier e valent, a curre de pece in cumbos, ma sui ser de mai santens, acabet passarundo, cum un amic un parent, lu plurent un lu munde, sur la pluegio ed in luvel, l'avem esperat de rundo, lu piso trio de la montagna, se escapamo d'un sovent, segui que ero pla non gagne, Piccio trio da un retello, piccio trio della montagna, si è scappato d'un sovense di caro planungagno, piccio trio da un retello. Radio Bulle, l'heure occitane.
Bonjour Mélanie Brelot. Bonjour. Mélanie Brelot, d'habitude on vous voit avec un violon. Oui, c'est ça. Mais pas maintenant, parce que... Ben là c'est le stage de mazurka avec Clément. Et du coup c'est lui qui s'occupe de la musique. Et ce soir, Métamorphose. Et ce soir on va jouer un trio, oui, avec la Bédine. Et là j'aurai mon violon. Et il y aura Adrien à la boue. Et comment c'est en trio? Et ben... C'est très... formidablement passionnant. C'est oui, c'est beaucoup d'énergie pour la danse. Et puis aussi d'autres danses un peu plus tranquilles. Mais, mais vous, vous êtes musicienne, a priori. Oui. Alors, décrivez-moi un tout petit peu votre instrument. Il est juste là, oui. À notre droite. Oui, ben alors moi je fais... En fait, j'ai deux violons. Il y en a un qui est accordé... Ben, comme un violon standard sur le ré la mi, et après j'utilise aussi un violon que je dis accordé en do, c'est un ton plus bas sur chaque corde, du coup ça fait fa do sol ré, et ça c'est plus pour avoir un autre timbre pour jouer avec les cornemuses d'Adrien par exemple, ou pour chanter, pour s'accompagner quand je chante dans certaines tonalités. Ah, elle chante aussi, Mélanie Brelot. Oui, je chante et Adrien aussi. Alors, on va revenir sur cette passion, la musique. Comment ça a démarré? Eh bien, le violon, ça a démarré quand j'ai découvert ça pendant un bal, justement, où mon petit frère jouait de l'accordéon. Ah bon? Et ça m'a plu, et du coup, j'ai voulu commencer. Et j'écoutais aussi beaucoup de musique irlandaise, en fait, où le violon était très présent. Et... Sauf que j'ai commencé le violon avec la musique occitane, et je continue toujours, mais... Enfin, ça, j'ai aussi appris la musique suédoise, et là je rentre de 2 ans passés en Suède, où j'ai appris la musique suédoise. Donc de fil en aiguille, de musique en musique, on découvre le monde. C'est ça, tout à fait, ça me fait découvrir plein de choses. Et puis vous êtes d'une famille musicale, on dirait. C'est un peu ça, le berceau de Mélanie Brelot. Ben oui, alors ma mère, elle a toujours fait de la musique aussi, mais pas de façon professionnelle, enfin, toujours pour de façon amateur, pour le plaisir, elle fait du saxophone. Et là, c'est mis à l'accordéon diatonique récemment aussi. Elle a repris l'accordéon de mon petit frère qui faisait aussi de l'accordéon. Voilà. Et un beau jour, parce que la passion solitaire, ça ne suffit pas. Un beau jour, il faut trouver des copains, il faut trouver des compatriotes du même royaume, quoi. C'est ça, du coup on se met à jouer dans différentes formations, avec différents copains, comme vous dites. Donc différentes formations, lesquelles par exemple? Alors j'ai commencé avec, quand j'étais beaucoup plus jeune, avec des jeunes de mon âge en fait, dans le Quercy, parce que c'est de là que je viens, et ça s'appelait les Cousins du Quercy. Et puis après j'ai vite joué avec Rémi Geffroy, qui est accordéoniste. Et avec qui on avait un trio, avant que je parte en Suède. Donc votre musique est faite de rencontres, il faut rencontrer des gens, un maximum de gens, un maximum de talents d'une certaine manière. Oui c'est ça, c'est les rencontres qui font naître des groupes. Et puis des fois on rencontre des gens, on aimerait faire des groupes avec eux, mais on n'a pas forcément le temps, donc peut-être ça fera des groupes futurs. Et on progresse ainsi de groupe en groupe, de rencontre en rencontre. On devient ce que vous êtes aujourd'hui, quoi. Ah oui, les rencontres, c'est toujours enrichissant. J'apprends énormément de chaque personne, parce que chaque personne a quelque chose de différent à apporter. Et c'est ça qui me nourrit, en fait, ma musique et ma personne aussi. Et puis, ce soir, Mélanie Brelot et la Vézina, puisque c'est comme ça que s'intitule le groupe ce soir. La Bézine, on dit. Ouais. La Bézine. En occitan. En occitan. Oui. On parlera occitan, pas en occitan, mais de l'occitan après. Okay. Mais donc ce soir, il y a bal. Oui, c'est ça, on va faire danser les gens. Comment c'est faire danser les gens? Elle dit ça avec une espèce de grande joie. Comment on est quand on fait danser les gens? Eh bien, on sent qu'il y a un grand échange avec le public qui nous donne de l'énergie et nous, on les fait aussi bouger. Donc, c'est... C'est quelque chose, oui, que j'aime bien. Donc vous les regardez? Bah oui, c'est... Et puis on joue avec eux, quoi. Enfin, ils nous inspirent quand ils dansent et nous, on les inspire avec notre musique. Et c'est un échange aussi avec les gens. Ce soir, dans le groupe, vous êtes à 3. Oui. Il y a un chef?
Comment ça se passe? Excusez la question. Il n'y a pas vraiment de chef, on va dire. Ou à certains moments, enfin, je ne sais pas comment dire. C'est un peu du co-leading, on va dire. Et oui. Chacun amène sa richesse. C'est ça, voilà, on fait des propositions et, au groupe et après le groupe les accepte ou pas, enfin on en discute et voilà. Et voilà, bien sûr, c'est résumer beaucoup, beaucoup de choses en un seul mot. Oui, c'est vrai. Parce qu'il se passe plein de choses pendant un bal, je suppose. Oui, pendant un bal, il se passe plein de choses. Je sais pas. Déjà, on peut s'exprimer, je suppose. Mélanie Brelot peut enfin s'exprimer à fond. Oui, c'est ça, on exprime une partie de soi dans sa musique et on l'échange avec les musiciens et on se fait... Est-ce qu'on a peur pendant un bal? Quand on fait de la musique devant des danseurs, est-ce qu'on a peur ou on se libère enfin? On est enfin soi-même? Oui, je pense qu'on se libère et qu'on est enfin soi-même. Peut-être les premiers bals, on a un peu peur et finalement on voit que il n'y a pas de danger, quoi. Enfin, et du coup, faut juste s'éclater. On est effectivement le centre du monde d'une certaine manière. Ah, le centre du monde, je sais pas, mais on est. Enfin, moi, c'est un endroit où je me sens bien et. Vous êtes d'une extrême puissance puisque vous donnez le bonheur. Ah oui, de ce point de vue-là, oui. Mais on en reçoit aussi beaucoup. Et c'est ça qui est bien, en fait. Mélanie Brelot, comment vous êtes entrée, votre relation avec l'Occitan? Comment ça s'est passé? Comment est-ce qu'il y a une relation, d'abord? Ou c'est juste musical? C'est un peu linguistique, c'est juste musical? Comment c'est la liaison Mélanie Brelot et l'Occitan? Alors, moi je parle pas l'occitan, mais c'est vrai qu'il est assez présent autour de moi et que c'est quelque chose qui m'intéresse et qu'il faut que je m'y mette assez vite, je pense. Parce que déjà, oui, dans la musique qu'on fait, tous les chants ils sont en occitan, donc je chante en occitan et je le comprends même si je le parle pas. Mais j'ai aussi mon arrière-grand-mère qui le parle, et du coup, c'est quelque chose qui me tient très à cœur parce que c'est, oui, mes racines. Entrer en communication. Oui, j'ai un peu essayé, mais comme là j'ai pas mal bougé, c'était un peu compliqué de parler avec elle. Mais c'est oui, le but c'est d'apprendre l'occitan. Le but, c'est de reparler avec l'ancêtre, l'aïeul. Oui, voilà, et puis de faire perdurer cette langue, parce que je pense que toutes les langues sont une richesse et. Et enfin, moi j'aime beaucoup les langues et du coup l'occitan, pour moi c'est pas... Il faudrait que je le parle, enfin... Elle vous l'a demandé? Non, pas vraiment, elle me l'a pas vraiment demandé et ça a sauté des générations parce que... Enfin, du coup ma grand-mère ne le parle plus, comme c'était interdit. Et ma mère ne le comprend même pas, je pense. Elle vous parle comment, votre grand-mère? Ma grand-mère, elle parle en français. Elle parle pas occitan, elle le comprend juste. Donc ce sera une merveilleuse occasion de reconquérir une espèce de continent perdu, quoi. Oui, voilà, tout à fait. De récupérer les racines qui sont présentes dans ma famille. La musique occitane, vous qui êtes musicienne, comment on peut en parler? La musique occitane, c'est une musique qui crée du lien, je trouve, à travers la danse, mais pas que, toutes les manifestations, les fêtes et tout ça qui sont reliées à cette culture aussi. Parce qu'il y a aussi des fêtes comme à Noël, le carnaval, il y a plein de choses. Et il y a d'autres musiques qui l'intéressent, Mélanie Brelot? Ah oui, moi il y a beaucoup de musiques qui m'intéressent. Du coup, je suis partie 2 ans étudier la musique en Suède. Donc celle-là, c'est celle que j'ai le plus appris après la musique occitane. Mais sinon, là, je viens de rentrer dans la Kreisbrez Academy et ça sera plutôt musique bretonne. Du coup, il y a plein de musiques qui m'intéressent. Et la classique et la variétoche, par exemple? Mais classique, j'en ai fait un peu aussi. Au violon, c'est un peu... c'est intéressant au niveau technique pour travailler tout ça.
Et après, j'ai fait aussi la fac en musicologie en jazz. Donc, j'ai aussi un peu ce côté-là. Donc, la musicienne Mélanie Brelot, elle est multiforme. Et puis, il y a la voix. La voix qui me manque aujourd'hui. Donc, la voix, comment Mélanie Brelot a découvert sa voix? C'est un étonnement, c'est un ravissement, c'est quoi ça? C'est une douleur? Eh bien, en fait, c'est assez étonnant, assez récent en fait. Au début, je n'osais pas chanter. Et j'ai un peu découvert ça au conservatoire occitan, conservatoire en musique traditionnelle que j'ai fait, où on nous a fait un peu chanter et j'ai trouvé que c'était intéressant. Justement aussi avec la langue de l'occitan, et ça apporte quelque chose d'autre que de l'instrumental. Et après, c'est en Suède que j'ai vraiment développé ça, où j'ai chanté en suédois du coup. Ah, la Suède, on dirait que c'est un souvenir formidable. Ah oui, c'était magique, presque. S'il fallait la résumer en une seule phrase, ça serait quoi? Poésie, ça serait quoi? Oula, en une seule phrase, je sais pas, c'est compliqué. La vie de Mélanie Brelot en Suède, une seule phrase, vous n'avez droit qu'à une seule phrase. Je sais bien que c'est injuste et inhumain, mais voilà. Mais oui, c'était une expérience formidable, on va dire. Combien de temps vous y étiez? J'y suis restée 2 ans. Hiver compris? Hiver compris, et en fait, c'est pas aussi dur que j'aurais cru. La preuve, vous êtes là. Oui, j'ai survécu. Bon, ben, bonne musique, bon stage, bonne musique, bon bal. Ce soir, vous serez la reine d'une certaine manière, vous serez la reine de la soirée. Merci, Mélanie Brelot. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Quem plora por la velo, 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 quem plora por la velo. Thank you.
J'ai réussi à les arracher à leur passion. Bonjour Adine. Adi Schatz. Bonjour Cécile. Adio. Alors bien sûr, on va parler de cet après-midi. Qu'est-ce qui se passe? On peut décrire un tout petit peu? Qui est-ce qui veut commencer? On peut décrire. Alors Cécile dit à Aline, vas-y, toi tu es la plus courageuse du groupe. Eh bien, la vie, ça n'en commence pas. On a donc une stagie des mazurka. Alors, mai d'une sorte de mazurka, de variantos, perché cantanan di lo bal, aven la costume de danser la mazurka tout jour la metteiso. Et existe mai d'une forme de mazurka. Donc, anei, la Dani nous apprenne à danser différentes formes de mazurka, différentes musicos, mais cada li pausa une question. Y a quiconque truco, y a quiconque mette a furo. Savi pas en quero, si on peut danser n'importe qui no forme de mazurka sur n'importe qui no musico de mazurka. Beleu que aurei la réponse à queste sera. Alors je disais donc qu'on avait aujourd'hui un stage de mazurka, on apprend différentes formes, des variantes de mazurka, car dans les bals on a l'habitude de danser pratiquement toujours la même. Et voilà, j'ai une question à poser à Dani ce soir pour savoir si les différentes formes de mazurka apprises peuvent se danser sur n'importe quelle de musique de mazurka. Je pense que la réponse est non, mais j'attends confirmation en fin de soirée. Alors ce qui est marrant, Aline, c'est que lorsque vous parlez occitan, vous y mettez beaucoup plus de visage. Vous y mettez beaucoup plus de mains. Alors que lorsque vous revenez au français d'Oil. C'est beaucoup plus plat. L'Occita est le milieu des oudires, mais on canta, quand on parle Occita. Quand on parle Occita, on est en mezzo de danse.
Alors je vais demander à Cécile, qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes déjà très 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 douée en danse. Qu'est-ce qu'on vient chercher quand on suit un stage avec, avec Dany Madiedoba par exemple, ou avec d'autres d'ailleurs, en mazurka ou dans d'autres domaines? Bon, on s'habille déjà dans la mazurka, mais la mazurka a des bases. Et dans les bals, Jacobs, dans le cavaliers qui veulent essayer d'autres formes. Et ben, aussi, le cavalier est guide hair plat et arrive à s'essayer, je ne pose la question. Aussi, il passe une boue ménaire et il a besoin de connaître l'espace de la forme qui te vole mena. Et dans une stage, il y a qui ben, est intéressant pour nous apprendre à théoriser ce qu'ils savent déjà et apprendre d'autres variantes. Et bon, quand nous venons du monde qui a mis dans ça, c'est plein pour nous apprendre avec la médiche culture et de danser à masse plus aisément les variantes. Alors j'ai beaucoup compris, mais je n'ai pas tout compris. Alors j'aimerais bien que pour le non-initié que je suis, le béotien que je suis, j'aimerais que vous m'apportiez encore des explications, s'il vous plaît. Donc, je disais que c'est vrai, je sais danser la mazurka, mais dans les bals, des fois, on tombe sur des cavaliers qui veulent nous faire danser des formes différentes. Donc, soit c'est des super cavaliers qui nous mènent et on n'a plus qu'à s'abandonner et à suivre et ça marche. Soit c'est pas des cavaliers qui savent bien mener, mais ils ont envie d'essayer des variantes. Et là, si on ne connaît pas les variantes nous-mêmes en tant que femme, ben, c'est dur de suivre. Et bon, après, on peut passer très bon moment quand même à danser en rigolant, hein, sans y arriver bien. Mais c'est... quand on vient dans des stages comme ça, ça permet de théoriser déjà ce qu'on connaît pour pouvoir après nous aussi l'apprendre à des gens avec qui on danse. Et puis ça permet d'apprendre plein de variantes parce que c'est très 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 riche, hein, les mazurkas en fait. On danse quasiment toujours même, comme disait Aline. Et de plus, quand on vient à des stages avec des personnes avec qui on aime danser, ben dans les balles, après, on peut danser ensemble les variantes aussi parce qu'on a les mêmes références communes vu qu'on les a apprises ensemble au stage. Alors ce qui est étonnant, Cécile, c'est la ressemblance de la mazurka avec la vie. C'est-à-dire on se retrouve avec, en couple. Bon, c'est pas toujours les mêmes couples, évidemment. Mais parfois, le dialogue est difficile. Parfois, le dialogue est coupé. Parfois, vous ne comprenez pas le cavalier, comme vous l'appelez. Et c'est étonnant, comme c'est une leçon de vie que vous prenez cet après-midi. Oui, et puis en plus, ce qui est étonnant, c'est que... On va parler très peu, pas fort du tout, parce qu'ils risquent de l'entendre, les cavaliers. C'est étonnant parce que des fois on tombe avec des cavaliers qui savent pas du tout la théorie de la danse mais qui arrivent à nous faire danser quand même parce que il y a un truc qui se passe, ils arrivent à nous guider, ils sentent la musique et ils sont dans la rythmique qu'il faut et ils savent nous donner les indications qu'il faut même enfin spontanément. Du coup nous on peut suivre sans problème alors que d'autres fois il y a des cavaliers qui connaissent parfaitement tous les pas mais qui savent pas nous guider. Donc voilà, c'est vrai, c'est comme dans la vie. Des fois, il y a une entente directe et ça marche. Et d'autres fois, il n'y a pas d'entente directe, même après des années de vie commune. Et quand la Cécile parle de la mazurka, à l'aile qui l'usisse. J'ai compris. Non, j'ai compris. C'est une question d'œil, là, je crois. Non, ce que je voulais dire aussi, c'est que, d'après Cécile, il y a toujours une petite appréhension de la dame avant qu'elle ne s'engage dans une danse avec un monsieur. Qu'elle ne connaît pas. Avec quelqu'un qu'elle ne connaît pas, avec qui elle n'a pas l'habitude de danser. Mais si, comme disait Cécile très justement, si le cavalier est un super cavalier, la fille se laisse mener et ça marche tout seul. Mais il faut que le cavalier soit au top. C'est pour ça qu'aujourd'hui, justement, comme nous manquons souvent de cavaliers dans les bals, aujourd'hui nous avons appris à jouer les deux rôles, hein, le rôle de la fille et le rôle du garçon, pour remplacer les messieurs souvent absents. Ou les messieurs qui ne guident pas toujours très bien. Ça existe aussi. Cécile ? Les hommes aujourd'hui ont aussi appris à faire le rôle de cavalière et ça c'est vraiment très bien parce que comme ça ils sentent vraiment de quoi la cavalière a besoin pour danser et après ça les aide dans le rôle de cavalier parce qu'ils savent, voilà, la cavalière, quand j'étais cavalière je sentais que j'avais besoin de ceci ou de cela donc je vais le donner maintenant en tant que cavalier à ma cavalière. Alors bien sûr ce souci, ce questionnement n'existe pas dans toutes les danses occitanes. Il existe lorsque vous êtes à deux, je suppose. Oui. Lorsque vous êtes en cercle ou en colonne, la question ne se pose plus. Je dis des bêtises?
Non, c'est vrai dans les danses en couple. Après, il y a certaines danses collectives où il y a quand même des moments en couple. En général, dans les danses collectives, il y a toujours un petit, dans les mixeurs notamment, où on est là pour échanger de cavaliers à chaque fois, il y a quand même des moments où on est avec des cavaliers. Aline, vous voulez ajouter ? Non, je disais que même dans les danses collectives, il y a un moment de danse en couple, effectivement. Et donc, il y a la relation cavalier-cavalière. Alors, dernière question. Du meneur et du mené. Dernière question essentielle. Pourquoi vous dansez ? Qu'est-ce que vous cherchez dans ces gestes, dans cette chorégraphie, dans ce... Une évasion, Bélève. C'est Nana, surtout en vue de la musique de la mazurka. On s'édaille pourtant. Cécile ? Oui, la communion avec l'autre, le plaisir de la belle musique, le plaisir d'une ambiance toujours, dans les bals c'est en général très très sympathique comme ambiance. Voilà, le plaisir de bouger et de trouver agréable ce qu'on fait. Donc là, il faut s'appliquer, je suppose, et l'un et l'autre. Oui, mais il ne faut pas penser que à s'appliquer, sinon on perd une partie du plaisir. Dans l'atelier, on s'applique. Dans le bal, parfois, un peu moins. On se laisse un petit peu aller. Quand les profs ne sont pas là derrière notre dos. Je vous laisse. Et puis, bon bal ce soir. C'est encore un autre exercice, je suppose. Oui. Ça sera avec la Bézine, le groupe de la Bézine. Et on se prépare pour le bal. C'est un moment fort, c'est un moment où on peut appliquer enfin les recettes qu'on a apprises. Oui. Bah, surtout ce soir, je suppose qu'il y aura des mazurkas, vu que le stage c'est un stage de mazurka. Merci Cécile. Ali Schatz. Et merci Aline. Allez au boulot. Yana, on fait plaisir. Merci beaucoup. A correr de pecho en cubo e mancavo pantalé per carreggiar un si mundo ero vievio la sube l'esperava vender uno ma la pioggia di mai rubé l'aurion tira de sarundo l'ufficio trio nella montagna si escapavo d'uso mense e che ero planungagne l'ufficio trio di un altro tempo per fatira tres baguns, caldio laus i estiflà, i escupi com un dragó, arriba la comifat, e canubia cerro l'un, s'arrestavo per bifà, a farena de sul lupù, de coluca li obitar, un piccio trio nella montagna, se escapavo d'usament, segui che ero blancato, un piccio trino in altri Nos portamos lá em nuvens,
era un pan fresco tout giù. L'ucciola della bei, l'us racuntes de lentù. Un paquet amb un officella, estrupant amb edusù. E un puto della bei, per i resino canzur. Un picciu brio della montagna, si escapava d'un somen. Segui che ero prarungat, un picciu trino di tes. Ero pla fiere valent, a curre de pece in cumbos. Ma sui ser de mai santes, acabet passarundo. Cum un amic un parent, lu plurendum lu munde. Sulla pluegio ed in lube, l'avem esperat de rundo. Lu picciu trin de la montagne, si escapamo dussament. Segui che no plano gagne, lu picciu trin in aurete. Lu picciu trin de la montagne, si escapamo dussament. Segui che no plano gagne, lu picciu trin in aurete. Il, c'est Anne. Bonjour Anne. Bonjour. Et puis Hervé aussi. Et bonjour. Et donc c'est un couple avant, pendant et peut-être même après. On va essayer. Hein. Parce que bien sûr, tous les deux sont là pour apprendre la mazurka. Je peux savoir comment, pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous êtes venu? Qu'est-ce que vous cherchez ici, dans ce stage de mazurka? Alors il y a Anne qui regarde, mais ça vous pouvez pas le voir à la radio. Il y a Anne qui regarde Hervé et qui dit... Oui, répond, essaie de trouver la réponse. Alors je vais poser la question d'abord à Anne. Pourquoi vous êtes là, Anne? C'est mon mari qui m'a entraînée. J'ai été contrainte et forcée, mais c'est très sympa, donc je ne regrette pas. Comment, quels sont les arguments qu'il a utilisés pour vous persuader de le suivre encore une fois? Comme il joue lui-même des danses traditionnelles, il joue de la musique traditionnelle, il voulait qu'on apprenne un petit peu les danses pour pouvoir les montrer aux autres lors des bals qu'il organise. Il veut partager un tout petit peu son monde avec vous. C'est exactement ça. C'est formidable, non? Oui, c'est formidable, oui. Donc Hervé, vous êtes responsable de tout cet après-midi. Je trouve qu'elle parle très bien déjà, parce qu'effectivement... Vous ne le saviez pas? Non, mais elle est pleine de surprises, j'en apprends tous les jours. Donc oui, effectivement, bah, le plaisir de faire danser les gens, c'est une chose, mais danser, passer de l'autre côté, parce que moi je suis souvent donc, sur scène avec des instruments, et je ne danse relativement peu. Et le fait d'apprendre les danses pour mieux pouvoir les apprendre aux autres, c'était un peu l'objectif de la journée pour moi. Qu'est-ce qu'il fait comme musique, Hervé? Du folk celtico-irlando-gasco-breton, et plus si affinité. Donc il y a de la musique et des danseurs en face. On fait danser les gens, on fait du folk participatif. Voilà. Et là, ce matin ou hier soir, vous vous êtes dit, Hervé, il faut que tu saches un tout petit peu... Ça serait bien de connaître certaines danses qu'on joue et que je ne sais pas expliquer aux gens. Donc voilà, c'est un peu l'objectif pour moi d'être là. Et donc, depuis 14 heures, c'est ça. Vous êtes en train de... Mémoriser. D'entrer dans un monde nouveau. Oui, voilà. On va essayer. Impression. Ben, ma foi, ça marche, tout doucement, voilà. Après, en quatre heures, apprendre à danser la mazurka correctement, c'est pas possible. Partant de zéro, mais le chemin qui est fait, est fait. C'est une chorégraphie difficile? C'est un peu complexe, d'autant qu'il y a plein de pas différents et qui se succèdent, qui peuvent se chevaucher, qui peuvent s'enchaîner, un peu comme on souhaite. On construit la mazurka, en fait, plutôt qu'on la danse. Commentaire de Anne. Sur ce que dit Hervé, bien sûr, elle le regarde quand même. Vous êtes l'objet de son regard, ce qui est normal. Ce qui est normal. C'est pas une critique. Oui, il y a beaucoup de variantes, donc c'est vrai que là, on voit quelques motifs à faire, mais ça laisse beaucoup de latitude pour les gens qui veulent imaginer des danses finalement, et donc c'est assez riche. C'est sympa la mazurka. Mais on danse facilement, on danse plus facilement quand on vit ensemble, ou alors. Je crois que c'est surtout lié au fait que l'un sache mener le couple, qui fait que ça marche bien. Parce qu'il faut vraiment un meneur qui donne son idée. Danseur, hein. Oui, il faut qu'un meneur donne son idée de ce que va être la danse, des pas qu'il veut faire. Et donc si le meneur assure, c'est plus facile. Donc c'est Hervé qui mène et c'est Anne qui suit. Exactement. Hervé, vous voulez ajouter quelque chose? Non, on essaye. Évidemment. Et c'est la première fois que vous faites une danse occitane? C'est la première... Non. Non, pas du tout. Non. On est plutôt habitué à faire ce genre
de danse, de prestations, soit on sort à des concerts, soit on va voir des groupes, soit c'est même, moi-même mon groupe qui joue, et donc on connaît un peu ces danses-là. Mais après, la mazurka, étant une des plus difficiles, ça en était une qu'on ne savait absolument pas danser, ni l'un ni l'autre. Pourquoi elle vous semble difficile? Il faut que les deux, parce qu'il faut l'accord des deux. Toutes les variantes qu'on doit faire, qu'on peut construire comme on veut, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'utilisais le terme construction de cette danse-là. Et tout en la construisant, il faut faire passer le message à la partenaire de danse pour qu'elle réussisse à suivre. Donc il faut être un bon danseur et un bon communicant. Anne? C'est exactement ça, j'ai rien d'autre à rajouter. Elle est d'accord. Et puis ça, on est pendant là, et après, quel sera le dialogue après? Qu'est-ce que vous allez dire après? Je suppose que vous faites une espèce de petit bilan de ce que vous avez vu, de ce que vous avez... Alors, ce sera pas ramassé. Ce soir, parce qu'on enchaîne ce soir, on a une soirée. Ah, vous avez une soirée danse. Voilà, ouais. On part sur une soirée musique ce soir. C'est-à-dire? De la musique variée, de plein de gens différents qui viennent faire des petites prestations pour montrer un petit peu différentes choses. Donc ça va être très riche. Vous aimez la musique, quoi? Oui, c'est ça. Sous toutes ses formes? Peut-être pas sous toutes ses formes, mais variées, oui. Merci Anne. Merci. Merci Hervé. Eh bien, avec plaisir. Bon après-midi à vous. Merci. Au revoir. Radio Bulle, l'heure occitane. Oui, me dit François, il est juste à côté de moi et on va parler mazurka, évidemment. Donc on est là au stage, mazurka, première chose. Ça a marché, ça fait 2 heures que vous dansez. Oui, ben oui, ça marche bien. Ça danse bien, ça fait 2 heures, oui. Progressivement, on avance. Comment on apprend à danser, au fait? Il doit y avoir une certaine envie, presque un besoin au départ, et puis ensuite on s'inscrit, et puis ensuite. Ah, pour le stage, oui, c'est comme ça que ça se passe. Il faut déjà avoir une petite curiosité, une envie de danser, de connaître cette danse, parce qu'elle est jouée souvent en bal, mais elle n'est pas si facile que ça à appréhender. Donc ça donne envie effectivement de creuser un peu le sujet, donc on s'inscrit, et puis effectivement après on a la chance d'avoir une bonne animatrice. Parlons mazurka, avant de parler animatrice, ouais. Parlons mazurka, c'est quoi pour vous la mazurka? On peut la définir comme ça, je suppose que ça fait longtemps, enfin vous l'avez déjà dansé, et là on vient juste encore se bonifier, mais qu'est-ce que la mazurka? Ben, finalement, pour ma part, très peu, je l'ai très peu dansé parce que il y a peu de temps que je danse trad, mais c'est la musicalité de la mazurka qui m'a beaucoup attiré tout de suite. C'est très très beau, et puis après, ben, quand on creuse un petit peu, oui, c'est une danse quand même ancienne et qui était en vogue à un moment, puis qui a disparu, et puis qui malgré tout, ben, dans le trad, reste un classique, quoi. Vous pouvez me la décrire? Non, pas trop. Non. Ça se danse à deux? Ouais, ça se danse à deux, ouais. Tout à fait, c'est une danse de couple. Il y a des variantes. Après, on apprend effectivement, dans ce stage ou ailleurs, qu'il y a des manières de la danser différentes selon les pays. Voilà, donc effectivement, il peut y avoir des positionnements qui sont différents dans le couple pour faire les pas qui sont... pas toujours les mêmes, il y a aussi quelques variantes. C'est une espèce de dialogue, et on peut parler, on peut dire à l'autre, François Lambert est un homme, comment, ouais. Je suppose qu'il danse avec une femme, comment ça se passe?
Ouais, alors quand je danse avec ma partenaire et que je la guide, parce que le stage nous a permis aussi d'inverser les rôles. Et donc d'être guidé quand on est un homme, c'est pas non plus toujours forcément évident. Les femmes souvent ont plus l'habitude de guider parce qu'il y a beaucoup moins de danseurs que de danseuses. Mais bon, ceci dit, oui, il faut trouver le code indiqué par un signal qui est convenu entre les deux, qu'on va faire tel pas ou telle variante. Voilà. Mais sur la mazurka comme sur d'autres danses. Le code, on le fait passer par la parole ou par le geste ? Non, c'est par le geste. C'est vraiment par le geste. C'est soit attirer vers soi, soit au contraire donner une impulsion pour repousser, soit avec le bras, la bascule du bras. Voilà, il y a différentes façons. Vous ne le voyez pas, mais François, il indique du geste comment on fait. Bien sûr, comment on fait pour danser avec l'autre, avec la femme du couple. Alors, comment ça a commencé l'aventure François et la danse, et la danse occitane? Alors, comment ça a commencé? Je sais comment ça a commencé. Ça a commencé avec ce film qui est aujourd'hui très populaire, qui s'appelle Le Grand Bal, voilà, de Laetitia Carton, qui portait sur un festival qui a eu 30 ans cette année. Et que j'ignorais complètement, alors que je suis originaire d'une région très proche, donc je ne connaissais pas du tout. Et puis voir ce film et voir tous ces gens danser et le plaisir qu'ils y prenaient, j'avais, je dirais naturellement, une petite appétence pour la danse, quelle qu'elle soit, mais ça m'a donné vraiment envie de creuser. Puis après, il y a eu des enchaînements comme le festival Accordéon-nous à Trentel, qui cette année avait au menu une initiation danse-trad et un bal-concert trad. Donc c'est comme ça que c'est venu. Pour ma part en tout cas, c'est presque une évidence et je pense que c'est pas sans lien avec ma pratique sportive. Je fais de la boxe française. Dans les savates, il y a beaucoup de mouvements aériens et la danse occitane, on est quand même beaucoup aussi en suspension. Voilà, je ne sais pas, il y a des analogies qui se sont faites presque naturellement et puis surtout les appuis, la question des appuis, comment on se déplace et comment on transfère le poids du corps d'un appui sur l'autre, des choses comme ça qui me sont venues assez facilement, je dirais. Dans la tête du danseur, François, qu'est-ce qui se passe pendant la musique? Je dirais qu'il y a une phase où effectivement, là encore, pour ce qui me concerne, qui demande beaucoup de concentration au départ. Et puis après, c'est arrivé à se lâcher, effectivement, se laisser porter par la musique. Et comme beaucoup de fois, il nous est dit, danser avec ses oreilles. Et après, bien sûr, c'est le corps qui suit. Oui, ça suit. Et quand on trouve l'harmonie avec le ou la partenaire, c'est magique. Le plaisir dans la danse, qu'elle soit occitane ou autre, c'est quoi ? Je crois que c'est ça, c'est dans les danses de couple en tout cas, c'est trouver l'harmonie avec le ou la partenaire de manière à effectivement avoir une certaine fluidité et esthétique aussi, oui je pense, mais c'est pas forcément ce qu'on recherche, ça se fait presque naturellement. Le stage reprend je crois, je vais vous lâcher, je sens bien que le musicien est installé et puis bon après-midi François. Merci. Radio Bulle vous a présenté L'Heure Occitane, une émission en partenariat avec Culture Asdoc en Lot-et-Garonne. Radio Bulle et Culture Asdoc vous présentent L'Heure Occitane, émission culturelle occitane en agenès.